Je suis Marie Cellier, je suis auteure, j'écris des livres pour les enfants depuis une trentaine d'années et en particulier j'ai écrit beaucoup de livres d'art. J'ai été invitée par la ville de Dijon pour accompagner la réouverture du musée des Beaux-Arts de Dijon, qui est un lieu absolument extraordinaire, et pour faire travailler des classes autour des œuvres des musées. Donc c'est un projet assez ambitieux puisqu'il englobe 12 classes. Je ne fais pas ça toute seule, je fais ça avec Béatrice Fontanelle qui est auteure de livres d'art aussi, comme moi. Mais c'est pas ça l'étrange, c'est un dentier. Non, mais tu lui as mis un dentier alors que c'est un enfant. Je m'appelle Béatrice Fontanelle et je suis un vieil auteur jeunesse. Les enfants disent auteuse, livreuse, écrivette. Que j'aime beaucoup. L'idée aujourd'hui, c'était de les faire travailler sur une œuvre d'Odilon Redon, qui est un artiste secret, merveilleux, symboliste, pas évident à découvrir, et sur un pastel qui représente l'enfant devant une aurore boréale. Les enfants vont arriver tout à l'heure, je vais les accueillir, et aujourd'hui, cette séance va être moitié plastique, moitié écriture. Je les avais fait travailler sur la figure de l'ange, sur un tableau de Camprin, Robert Camprin, qui est un des chefs-d'œuvre du musée. Nous avions abordé les thèmes du bien et du mal, donc cette fois-ci, ils vont avoir un travail plastique autour du diable et ils vont imaginer un dialogue entre l'ange et le diable. Ils ont eu à écrire des haïkus au japonais pour, autour de cette idée d'aurore boréale de l'enfant. Et on a aussi joué à juste trouver un mot. Parce que parfois, quand c'est très très court, c'est très très dur. Et l'idée, c'était de trouver un verbe. Et ils ont trouvé des verbes parfois étonnants, très simples, comme « veut ». L'enfant veut l'aurore boréale. C'est très fort, très simple, très, très puissant. Donc de montrer que simplement le choix d'un mot peut être aller vraiment au cœur des choses. Donc ça, c'était très plaisant. L'idée, moi, c'est toujours de lier le travail d'écriture à un travail d'art plastique. Parce que d'abord, en plus, écrire, c'est une forme de dessin. Quand on écrit, on dessine. Et de montrer que ça peut être d'une grande sensualité. Parce que parfois, les enfants qui ont du mal à écrire, qui ont du mal avec le livre, avec le texte, pour eux, c'est vraiment difficile de percer ce voile qui les empêche de s'ébattre. Donc j'essaie toujours de montrer qu'on peut vraiment jouer. La difficulté de l'écriture, c'est que en fait, les enfants imaginent que ça vient, l'écriture, que ça vient comme ça, et que si ça ne vient pas, c'est dramatique. Non, l'écriture, c'est un travail. Il y a certains qui se dépêchent d'écrire quelque chose pour combler le vide. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, peuvent être paralysés, en fait. Mais comment je vais aborder cette montagne blanche? Le rêve de ma vie, ça aurait été vraiment qu'on puisse aller même faire les ateliers sur place. Bon, c'est le musée n'était pas encore inauguré. Parce que je pense que de dessiner devant une œuvre d'art, il n'y a rien de mieux au monde. Et ce qui est formidable, c'est quand un enfant a travaillé sur une œuvre, quand il va la découvrir dans un musée, là, c'est extraordinaire parce qu'il se met à sauter comme un cabri, comme s'il avait rendez-vous avec une personne qu'il connaît personnellement. Les enfants vont visiter le musée après les séances. Ils ont envie de voir les œuvres en vrai. Il y a de multiples problèmes qui se posent quand on voit une reproduction. À quelle taille est-elle? Est-ce qu'elle est toute petite? Est-ce que l'œuvre est toute petite? Est-ce qu'elle est très grande? Une sculpture, on peut tourner autour, j'aimerais bien la voir par derrière, etc. Le but, c'est que les enfants aient envie d'aller au musée, qu'ils s'y sentent en fait comme chez eux. Et que ça fonctionne peut-être un petit peu comme un jeu de piste. Je vais traverser les salles du musée et je vais retrouver les œuvres sur lesquelles j'ai travaillé. J'espère que tous les enfants iront au musée, tous. Moi, j'ai deux buts quand je fais ces rencontres. Un, c'est qu'ils s'inscrivent pour la vie à la médiathèque. C'est d'abord vraiment ça mon objectif. Et qu'ils réussissent à amener leurs parents et qu'ils réussissent à amener leurs copains qui n'ont jamais mis les pieds à la médiathèque. Moi, c'est mon seul objectif. Pour moi, l'art n'est pas un luxe. L'art est un,
est une nécessité. C'est important pour vivre. En fait, ça aide à vivre. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur de la beauté, mais pas uniquement de la beauté, l'étrange, l'autre. Hein. L'art permet de comprendre le monde. L'art peut sauver. Et c'est pour ça qu'on intervient avec tellement d'enthousiasme. Hein, c'est qu'on pense qu'on fait quelque chose d'utile, hein, et même d'essentiel pour les enfants.